nos travaux là où nous étions arrêtés. Donc il nous reste, oui c'est mieux, il nous reste donc à examiner deux projets de délibération et une proposition de délibération, ainsi que la désignation donc d'un rapporteur spécial, comme l'a indiqué Madame la Présidente de séance, avant de suspendre. Nous avons donc à l'ordre du jour l'examen du projet de délibération modifiant la délibération modifiée numéro 317 du 30 août 2013 relative aux conditions de gestion et d'exploitation de l'aérodrome de Nouméa-Magenta. Le projet de délibération a fait l'objet d'un rapport numéro 47 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 juillet 2018, déposé sur le bureau du Congrès au 11 juillet, examiné en commission des infrastructures publiques, de l'aménagement du territoire, du développement durable, de l'énergie, des transports et de la communication lors de sa séance du 26 juillet 2018. Cette réunion de commission a fait l'objet d'un rapport numéro 119 qui a été diffusé à l'ensemble des membres de notre Assemblée le 7 août 2018. Je vous rappelle que, à l'occasion de l'examen de ce projet de délibération, les orateurs prioritaires sont Madame Nina Julier et le rapporteur Madame Nicole Andrea Song. Et ce n'est pas prévu par notre règlement intérieur, mais je peux l'admettre que ça me paraît logique qu'il soit orateur prioritaire, le vice-président Charles Washetting, que j'ai vu à l'occasion. À l'exception, bien évidemment, du président du gouvernement, qui n'est pas là. Bien, je vais demander au gouvernement s'il a des interventions liminaires à faire sur ce projet de délibération. À l'évidence, pas d'intervention liminaire. Donc je vous propose que nous procédions à la lecture du rapport de commission donc, 119 en page 3. Y a-t-il un candidat, comme ce soit le député Dunoyer qui prépare de qualité d'orateur exceptionnel hier lors de l'examen des différents textes budgétaires. Donc, je vous propose, monsieur le député, de procéder à la lecture donc, des conclusions, des remarques de la commission en page 3. Ça va être long d'ailleurs. Ah. Le rapporteur, par intérim, vous avez la parole avant que je recède. Donc si c'est en page 3, monsieur le Président, aucune observation n'est formulée dans le cadre de la discussion générale. Parfait. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d'intervention dans le cadre de la discussion générale Alors, dans quel ordre Monsieur le conseiller Lallier. D'accord. Non, il n'est pas prioritaire au regard de notre règlement intérieur, mais je peux concevoir. D'accord. Très bien. Monsieur le Président Népéoun. Promu orateur prioritaire lors de cet examen de projet de délibération sur décision unilatérale du conseiller Lallier. Monsieur le Président, comme il a dit hier, dans la coutume, non, mais je respecte. Monsieur le Président, je voulais juste intervenir dans le cadre de l'exploitation de l'aérodrome de Magenta. Monsieur Verger, c'est là. Et mon intervention s'inscrit dans le fait qu'à Magenta, il y a trois intervenants. Bon, il y a l'aviation civile, il y a la CCI et puis il y a les compagnies aériennes, dont Air Calédonie. Depuis, je pense, trois semaines aujourd'hui, on a mis en place, enfin rentré en vigueur, les contrôles de sécurité, comme à l'instar de ce qui se passe à Tontouta. Donc, c'est quelque chose de bien. Je ne conteste pas, mais je pense que on a besoin d'améliorer les choses. Vous savez, quand on a un vol de 35 minutes et on a 25 minutes de retard au départ, c'est pas comme à Tontouta où on est 9h entre nous, Tontouta et Tokyo, et retard d'une heure ou d'une demi-heure n'a pas de sens dans la mesure où, compte tenu de la longueur du trajet, on peut toujours rattraper le retard. Je pense qu'il y a des choses à améliorer dans l'exploitation. Bon, c'est un début, donc je pense qu'on va l'améliorer.
L'autre chose que je dis, c'est que moi, j'ai déjà fait la remarque. Je vous dis, je prends l'avion tout le temps. C'est pas tous les jours que ça va monter en puissance. Et là, depuis le début, il y a 3 semaines, j'ai été contrôlé une fois, entière. C'est vrai, ils ne font pas. Alors, comme le matin, je marche à Promenade Pervernier, donc, à 6h10, je dois voir l'avion décoller. Et ça fait une semaine que l'avion décolle à 6h25, voire 6h30. Ça veut dire entre 15 minutes et 20 minutes de retard. Pour un vol de 35 minutes, c'est pas très agréable. D'autant plus qu'hier, je peux vous dire, j'ai failli être en retard là. Quand le retard est pris de Magenta, il n'est pas récupéré à l'IFO. Donc déjà, on a du mal à dire, quand il y a une réunion à 8h30, on part la veille. Maintenant, quand il y a une séance à 9h, on a eu juste. Donc je pense qu'il faut améliorer. Donc j'en ai parlé à Aircal, la société qui fait la sécurité, pas à la CCI parce que j'ai pas des choses que je ne vois pas. Il faudrait peut-être améliorer les choses parce que on a mis la signalétique depuis 3-4 mois. Et je peux vous dire, les canards, quand ils passent devant quelque chose d'écrit, ils ne lisent jamais. Donc c'est ce que j'ai dit à Arcal. Quand on enregistre, vous dites qu'on peut rentrer tout de suite. Et les gens attendent toujours qu'on appelle, qu'on parle passé. Donc j'en ai parlé au PDG, j'en ai un peu qui sont là. Moi, j'ai dû appeler aux gens, il faut rentrer. Les gens, ils me disent, on attaque, on appelle. Non, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que, à tout ou tard, quand vous rentrez, les choses sont discrètes. On dit qu'à Magenta, on voit dehors quand on nous contrôle. Quand on nous dit, il faut aller à la ceinture, il faut enlever les chaussures, tout ça, c'est toujours si on ne nous dit pas, ils se mettent, on m'arrête là. C'est pas très discret. Donc l'autre chose, c'est que quand vous avez deux vols qui partent à 20 minutes, à 2h30, vous mettez 140 personnes dans une salle d'attente qui peuvent accueillir 70, voire 80, je crois qu'on a besoin d'améliorer les choses. C'est vrai que c'est la première fois, mais je voulais juste attirer votre attention qu'on a beaucoup de choses à améliorer. Pour éviter les retards d'avion, je pense qu'il y a deux concerts entre Aircal, la CCI et la vaisseau civil. Pour essayer de. Et maintenant, pour les conditions d'accueil des passagers, là, je peux vous dire qu'à partir de demain, les vacances, vous avez 15 jours par. 15, je ne sais pas, mais entre 10 et 12 vols par jour pour les îles, l'île des Pins, ça va être un peu la pagaille. Quand on a pris une demi-heure de retard, quand il y a des vols supplémentaires, ça serait, le retard se répercute sur les autres. C'est juste pour attirer votre attention. Améliorer, mais pour autant, le contrôle des passagers de sécurité, on est tout à fait d'accord là-dessus. Voilà, merci, monsieur. Monsieur le secrétaire général adjoint, est-ce que cette question appelle de votre part des réponses? Monsieur le Président, je vais donner la parole à monsieur le directeur de l'aviation civile. Directeur adjoint de l'aviation civile, vous avez la parole. Monsieur le Président, au niveau de l'aviation civile, et quand on a réfléchi à la mise en place des mesures de sûreté sur Magenta, on était pleinement conscient des éléments que vous avez indiqués. C'est pour ça d'ailleurs que la mise en place des mesures de sûreté sur la plateforme de Magenta, pour l'instant, n'est que partielle. Le 23 juillet, elles ont été mises en place. Comme vous l'avez indiqué, on ne contrôle pas l'ensemble des vols actuellement. Les contrôles se font plutôt l'après-midi. Et effectivement, il y a lieu de faire un retour d'expérience sur la façon dont se mettent en œuvre ces mesures de sûreté, sachant que la mise en place complète des mesures de sûreté est prévue au 1er septembre. Comme vous l'avez souligné, la période des vacances scolaires qui va débuter très prochainement, effectivement, fait l'objet d'une vigilance particulière de la part de l'ensemble des parties impliquées. Hein. Vous avez raison de souligner qu'à Air Calédonie, qu'à la Chambre de commerce, qui regarde ça de très près, et nous, justement, on souhaite faire un retour d'expérience presque à l'issue de ce premier week-end, puisqu'évidemment, ça sera beaucoup plus compliqué que ça n'a pu l'être pour les premiers jours. Voilà. Donc on est assez conscient de ça, et effectivement, on regardera les ajustements de mettre en place, parce que comme vous le dites, il ne faut pas que ça entraîne des retards supplémentaires sur le programme qui est prétendu d'Air Calédonie. Je pense que l'ensemble des partenaires sont très conscients de ça. Ensuite, sur les aspects que vous avez évoqués au niveau des...
on va dire, des désagréments que peuvent causer ces contrôles pour les passagers. Je rappellerai que suite à la mise en place de la nouvelle aérogare de fret, il y a des locaux qui sont désormais disponibles, en fait l'ancienne aérogare de fret, hein, dans l'aérogare de Magenta, et que ça doit faire l'objet d'un réaménagement prochainement, très prochainement, pour pouvoir agrandir l'espace destiné aux passagers dans l'aérogare de Magenta. Ceci devrait permettre normalement d'apporter quand même confort supplémentaire pour les passagers. Je vous remercie, monsieur le conseiller Lallier, vous avez la parole. Oui, président, la CCI n'a pas d'expérience avec les petits aéroports. Ils ont surtout l'expérience avec tout ce qui est grand et grandiose, même si quand ils ont piloté le projet de Fontouta, ils n'ont pas très bien piloté. Moi, je suis intervenu pour dire que moi, en tant qu'élu, là, j'ai un pauvre abouti là-bas quand je rentre devant la CCI là-bas. C'est eux les patrons et puis moi, je suis rien du tout. C'est moi qui leur donne l'exploitation, et moi je suis rien du tout. Je dis ça, c'est juste, je choque un peu. Je ne demande pas plus, en plus de ce qui existe aujourd'hui. Je respecte les autres consommateurs. C'est juste pour dire que là, on va autoriser en fait une nouvelle, on va encore appeler un appel d'offres. Moi, j'ai envie de dire, ben non, il faut qu'on arrête là. Il faut que l'aviation civile gère cette partie, en attendant que les choses soient bien structurées. Donc, je sais que le directeur adjoint, j'avais dit hier, avec l'aide de votre secrétaire général, que c'est le membre du gouvernement qui est chargé des secteurs, qui négocie quand il y a des problèmes. Le secrétaire général, c'est quelqu'un qui est fonctionnaire de l'État. Et il arrête de dire que nous on est comme Paris. Pas les chambres de commerce qui... Mais... Oui, me laissez parler, j'ai pas terminé. Non, mais oui, mais... Vous venez d'arriver, là, vous êtes parti toute la matinée, puis vous venez me perturber alors que vous n'étiez pas là. Non, je peux vous perturber, mais après les allusions, fonctionnaires de l'État, on n'est pas à Paris. De quoi, mais c'est où la liberté de parole et la démocratie? Vous avez promis que vous allez pouvoir nous autoriser à parler. Aujourd'hui, vous êtes là pour me dire que taisez-vous. Mais non, mais c'est bon, quoi. Le conseiller, je vous ai jamais dit. C'est pas parce que vous êtes en dessous de Marianne que ça y est, vous allez nous... Monsieur le conseiller... Moi, je pose des problématiques. Oui, d'accord. Monsieur le conseiller, je voulais simplement vous dire qu'à aucun moment, je ne vous ai dit taisez-vous. Une fois. À aucun moment, je ne vous ai dit taisez-vous. Tous les 5 ans. Je ne me permettrai pas de vous dire taisez-vous. Donc, ne dites pas que j'ai dit taisez-vous. Donc, nous vous écoutons, concluez, et puis après, le secrétariat général du gouvernement va vous répondre. Bon, vous avez besoin de dire ça? Non, mais parce que... Non, mais vous avez besoin de dire ça. On a compris votre question. Ouais. Allez-y, monsieur le conseiller, poursuivez. Ouais, ben, laissez-moi parler. Allez-y. Je n'ai pas terminé. Vous pouvez faire marcher la musique? Non, mais c'est sérieux. Il n'y a déjà pas le gouvernement, faisons un peu de sérieux dans cette séance. Non, mais c'est sérieux ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors allez-y, monsieur le conseiller, nous vous écoutons. Allez-y. Si je m'en desserrais, c'est à cause de vous. Tout à l'heure, j'ai posé des problèmes par rapport à la gestion de l'aéroport. Il y a une commission de gestion de l'aéroport qui ne se réunit jamais, et dont moi je fais partie. Mais à quoi sert qu'on met les instances pour ça? Je pose des problèmes en différencier.
Ontuta et Mazata. Mazata, on n'est pas à l'extérieur, on va pas à l'extérieur. On est là, donc moi je pense qu'il faut qu'on retravaille un petit peu les réflexions sur la gestion de cette cela, parce que moi quand je vais à l'Ipou, je vais pas à Paris, quoi. Et moi il faut que je tire ma ceinture, mon pantalon pour partir pour aller à l'Ipou chez moi, mais c'est quand même un peu poussé. Ça, je souhaitais poser là, même si ça vous dérange, Président. Le joueur, je pense qu'on peut regarder un petit peu. Les références, là, il faut arrêter les références. Merci. Je demande même pas de réponse. Hein. Très bien, parfait. Y a-t-il d'autres interventions dans la discussion générale? Oui, monsieur conseiller Goa. Merci, Président. C'est simplement une observation. C'est peut-être pas une bonne chose, puisque je sais que on a la préoccupation de vouloir rassembler les moyens pour engendrer des coûts de production moindres. Mais ce que j'observe sur la côte, là, c'est que les gens qui arrivent des îles ont déjà des tarifs préférentiels parce qu'ils ont du mal à payer l'avion. Et c'est leur relation qu'ils ont avec leur famille ici à Nouméa et vice-versa. Et dans le projet, là, il était entendu qu'à une période rapprochée, on va ramener les gens des îles à atterrir à Tontuta. Je pense que c'est dans ce sens qu'on est en train de mettre en place les mesures de sécurité qui s'appliquent à des aéroports internationaux. Donc je sens que la chose va aller vite. Tout ce que je vois, c'est que sur la côte blanche, là, on est en train de la rallonger et on est en train de virer tous les petits canaques là, qui débarquent sur Magenta pour les amener dans un aéroport qui est international. Et puis, comment ils viennent de Tontuta jusqu'ici? Parce qu'il y a une préoccupation de faciliter le transport des gens des îles pour arriver ici. Moi, je crois que le lien entre les îles et la Nouvelle-Calédonie, la Grande Terre, doit se passer par là, ou les endroits où c'est le plus proche et le moins cher. Donc, on a tous fait des débats pour dire que le gouvernement il paye assez cher pour faciliter le transport des gens des îles à travers les mesures d'aide. Mais si on les amène là-bas, bien, je ne sais pas si on a résolu le problème. Donc c'est ça simplement pour dire que il faut faire attention de ne pas sortir les canaques, la ville, ne pas qu'elle soit la ville des Blancs. Merci, Président. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention Oui, nous écoutons. Oui, Président, deux observations. Je voulais savoir si, parce que là, on va prolonger de 5 mois la convention qui existe entre la CCI et la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire qu'il y aura d'autres prestataires, puisqu'il y a une étude qui est en cours pour pouvoir nous permettre de lancer un appel d'offres. Et c'est un appel d'offres qui doit être ouvert. Donc, ça veut dire que d'autres prestataires pourraient postuler. Et c'est exactement ça. Donc, la CCI n'aura plus le monopole, puisque jusque-là, c'est Tontuta, Magenta, je ne sais pas ailleurs. Les autres aérodromes, puisqu'on parle de l'aérodrome intérieur, c'est Poné et puis les îles. Et Udépin. Non, Udépin, c'est déjà fait. Secrétaire général, adjoint. Oui, pour répondre à cette observation, le délai de 9 mois doit permettre justement de lancer la procédure d'appel d'offres pour la gestion de l'aérodrome de Magenta. On ne sait pas s'il y aura plusieurs candidatures. Enfin,
Pour le moment, on ne peut pas répondre à cette question. Clairement, la CCI sont sur les rangs. Mais... C'est le propre de la procédure d'appel de. Je vous remercie. Oui, dans le prolongement. Donc, ça veut dire qu'on était un peu dans l'illégalité, là, jusque-là, ou pas? C'est ce que je voulais faire dire, mais on ne le dit pas ouvertement. Parce que on n'a pas fait l'appel d'offres au départ, c'est ça? Et on est obligé de régulariser une situation? Est-ce qu'on peut nous le dire ou pas? Monsieur le secrétaire général, pouvez-vous donc être peut-être un peu plus clair sur la situation juridique du contrat qui dit de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie concernant la gestion de l'aérodrome de Nouméa à Magenta. Donc effectivement, quand la délégation était consentie à la CCI pour la gestion de l'aérodrome de Magenta, il n'y a pas eu de mise en concurrence. Les études semblent indiquer que juridiquement ce dispositif est fragile, d'où l'idée de lancer cet appel d'offres aujourd'hui. Je vous remercie. S'il n'y a plus d'intervention, je vous demande donc de bien vouloir voter ou ne pas voter l'article 1er de ce projet de délibération. Sur cet article 1er, on met aux voix et pour et contre qui s'abstient de. Donc, cet article 1er est donc adopté à l'unanimité. Sur l'article 2, je considère qu'il y a un vote identique, c'est l'article de transition. Monsieur le rapporteur pays, donc sans observation, avec un avis favorable. Donc adopté également en vote identique. En explication de vote, y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention, donc je vais mettre aux voix l'ensemble de ce projet de délibération. À main levée, qui est pour? Qui est contre, qui s'abstient, le projet de délibération modifiant la délibération modifiée du numéro 317 du 30 août 2013 relative aux conditions de gestion et d'exploitation de l'aérodrome de Nouméa Magenta, projet de délibération est donc adopté à l'unanimité par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nous passons au point suivant de notre ordre du jour qui porte sur le projet de délibération approuvant la convention de correction de publication et d'exploitation de certaines données du fichier national des accidents corporels au titre des compétences propres en sécurité routière et habilitant le président du gouvernement à la signer. Ce projet de délibération a fait l'objet d'un rapport numéro 56 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 juillet 2018 qui a été déposé donc le jour même sur le bureau de notre Assemblée. Ce projet a été examiné par la Commission des infrastructures publiques, de l'aménagement du territoire, du développement durable, de l'énergie, des transports et de la communication lors de sa séance du 26 juillet et fait l'objet d'un rapport numéro 121 distribué le 7 août 2018. Nous avons considéré qu'en orateur prioritaire, il y a M. le vice-président Charles Wachetting, en dehors bien sûr des membres du gouvernement mais qui sont absents. Y a-t-il d'intervention liminaire du gouvernement? J'imagine que non, puisqu'il n'a pas jugé utile de venir participer aux travaux de notre séance. Nous allons donc procéder à la lecture du rapport de commission numéro 121 et notamment monsieur le rapporteur pays donc en page 3 de ce rapport 121 ou en page 360 au niveau de la CABOX. Nous vous écoutons monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président. Dans la discussion générale, monsieur Selefen, directeur de la DI3T, indique qu'il existe au sein de sa direction un bureau qui est l'Observatoire de la sécurité routière. J'ajoute que la direction pratique l'intégration des données d'accidents mortels et corporels à travers un outil appelé Concerto, qui arrive à une fin annoncée ces prochains mois. L'objectif du projet de délibération approuvant cette convention est de pouvoir intégrer l'outil actuellement utilisé par l'Observatoire national. J'ajoute que les forces de l'ordre remettent les procès-verbaux d'accidents et qu'elles les transmettent également en complément à l'Observatoire national, ce qui génère un doublon avec le portail national informatique. Précise donc que le but est de centraliser sans contrainte complémentaire avec l'outil national, évitant ainsi la création coûteuse d'un nouvel outil qui serait propre à la Nouvelle-Calédonie. Il conclut que la Nouvelle-Calédonie aura vocation à vérifier, contrôler et modifier les données le cas échéant si besoin était. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
cette séance le projet de délibération. Dans la discussion générale, y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y a pas de demande d'intervention. Monsieur le Président, en EPO. Monsieur le Président, je voulais demander un peu au gouvernement, vous savez, on est certains élus, on est un peu perdus dans les sigles. Dès qu'on invite un truc, il y a un sigle. Est-ce qu'on pourrait faire un glossaire général de tous les sigles qui existent avec... Là, c'est Concerto, après c'est Rilly. Quand on n'est pas quelqu'un qui a garé à ça, on est perdu dans tous les sigles. C'est la maladie de la France, hein. À chaque fois qu'ils votent un truc, on met un sigle. Donc, pas simplement la France, mais la Nouvelle-Calédonie aussi aujourd'hui. On ne pourrait pas avoir, de la part du gouvernement, l'ensemble de... C'est vrai, quand on discute, la plupart du temps, les gens viennent à parler que par les sigles. Et nous, on est un peu perdus dans tout ça. Enfin, moi, je dis ça, je voudrais bien qu'on puisse avoir un ensemble. Notamment dans le cadre, par exemple, de la présentation du budget. Et en prêche préliminaire, qu'on puisse lister un peu tous les sigles, là, leur concerto. C'est juste une suggestion et une demande à l'égard du gouvernement. Merci. Merci, Monsieur le Président Népéoun. Je prends note de votre demande et je vous propose de saisir le président du gouvernement afin qu'il nous parle du lexique des différents anagrammes, sigles et autres. Pour une complète information des élus. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention dans le cadre de la discussion générale? Oui, Monsieur le conseiller Lallier. Merci. Non, juste pour dire que concernant les assurances, faut quand même qu'on commence un petit peu à mener des réflexions. Les réflexions au niveau du pays, c'est pas toujours de dire ben, on va faire du placement. La dernière fois, vous aviez parlé des placements pour la retraite. Moi, je dis ça parce que nous, dans les îles, on ne veut pas nous assurer. Sauf si on est de la province. Donc, je ne sais pas c'est quoi que la Calédonie peut faire pour nous. Bien, ils s'en foutent. Ils font quelque chose et là je dis qu'il faut vraiment qu'on tout à l'heure on a fait la réforme du code de commerce, donc je pense que dans les jours à venir on devrait pouvoir avoir des réformes dans ce sens, mais en tout cas nous on peut pas continuer comme ça parce que c'est le selon l'endroit où on est, c'est l'assurance qui... Non mais où on va là? Cultive le régionalisme. Nous, on attend la solidarité de nos collègues élus de la province sud. Faut pas dire Kamadja ou, je sais pas, mais européen ou d'origine d'Otokaldos, quoi. Je parle pas des origines je terminerai pas. Nous avons compris. Vous savez ce que je pense. C'est clair. Nous vous remercions, monsieur le conseiller Lallier. Y a-t-il d'autres interventions dans le cadre de la discussion générale? Pas d'autres interventions. Je vous propose donc de procéder directement à l'examen des articles de ce projet de délibération. Article 1er, monsieur le président, le rapporteur, pardon. Sans observation, avis favorable. Vous voulez lire, monsieur le vice-président? Oh, pardon. Non, est-ce que vous déléguez, est-ce que vous acceptez que nous déléguions au président de la commission des finances et du budget la fonction de rapporteur, très bien, rapporteur de séance de cette commission. Monsieur le rapporteur de séance, vous avez là donc la parole. Sans observation, avis favorable. Y a-t-il donc des demandes d'intervention sur cet article 1er? J'imagine que non. Donc nous allons procéder au vote sur cet article 1er. À main levée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est donc adopté à l'unanimité. Sur l'article 2, monsieur le rapporteur de séance. Sans observation, avis favorable. Je vous remercie. Cet article 2, pas d'intervention, vote identique, il est adopté. Nous passons à l'article 3, donc qui est un article de transmission. J'imagine qu'il n'y a pas d'intervention, vote identique, il est adopté. Y a-t-il donc des demandes d'explication de vote? Pas de demande d'explication de vote. Je vais donc procéder au vote de l'ensemble de ce projet de délibération. À main levée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a donc adopté
Le projet de délibération approuvant la convention de correction, de publication et d'exploitation de certaines données du fichier national des accidents corporels au titre des compétences propres en sécurité routière, habilitant le président du gouvernement à la signer. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à l'examen d'une proposition de délibération modifiant la délibération numéro 323 du 30 juillet 2018 portant désignation des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein des commissions intérieures et spéciales. Proposition inscrite sur le numéro 96 du 3 août 2018. Je propose peut-être à... Je vais donc... Donc c'est une proposition qui a été déposée sur le bureau du Congrès le 3 août par notre collègue, M. le conseiller Rocco Amitan, au nom du groupe UC, FLNKS et Nationaliste, qui a donc été diffusée le jour même. Et donc, n'a pas été examinée en commission parce que c'est une proposition qui permet de remplacement. Et donc je propose de céder la parole à Madame la première vice-présidente du Congrès pour pouvoir lire l'exposé des motifs. Bien, merci Monsieur le Président. Donc la délibération 323 du 30 juillet 2018 portant désignation des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein des commissions intérieures et spéciales établit la composition des ensembles des commissions intérieures du Congrès. Par courriel en date du 1er août 2018, le groupe FLNKS et nationaliste souhaite modifier la représentation de ses conseillers au sein de la CLRG. Il est ainsi proposé de remplacer Mme Caroline Machaud-Régnier par M. Jacques Lallier. Tel est l'objet de la présente délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie. Au septième... Je lis. Au septième alinéa de l'article 1er de la délibération 323 du 30 juillet 2018, relative à la commission de la législation de la réglementation générale, le nom Madame Caroline Machaud-Régnier est remplacée par le nom Monsieur Jacques Lallier. Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui est contre? Qui est pour? L'article 1er est donc adopté. Réunion de demain pour l'article 2 est. L'article 2 sur l'article de transmission, donc je considère que le vote est identique. J'imagine qu'il n'y a pas, au vu du contenu de cette proposition de délibération d'explication de vote. Je mets aux voix donc l'ensemble de cette proposition. À main levée, qui est pour? Qui est contre? La proposition de délibération est donc adoptée. Je vous propose de procéder à la désignation d'un rapporteur spécial sur un avant-projet de loi du pays, et notamment sur l'avant-projet de loi du pays portant modification de la partie législative et du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, livre 4. Je vous rappelle que cet avant-projet de loi du pays était déposé sur le bureau du Congrès le 25 juillet 2018. Y a-t-il des candidatures? Monsieur le député Dunoyer. Oui, merci, Monsieur le Président. Je propose la candidature de Mme Jandot. Ah. Très bien. J'enregistre donc la candidature de Mme Monique Jandot. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui, Monsieur le conseiller Lallier. Non, je voulais savoir au niveau de la règlement intérieur s'il n'y a pas entre la présidente. Non, il n'y a pas. Et le rapporteur, il n'y a pas. Il n'y a pas. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y a pas d'autres candidatures, donc Madame la Présidente de Commission de la Réglementation économique et fiscale du Congrès est donc désignée. Monsieur le Président Népéoun, vous avez demandé la parole. On veut dire qu'on est d'accord avec la candidature de Madame Jordan. D'accord. Vous êtes donc rapporteur spécial. Nous avons, mes chers collègues, terminé avec l'ordre du jour de cette séance d'aujourd'hui. Je vais également vous remercier pour votre participation et pour votre travail utile pour la Nouvelle-Calédonie. Je vais saluer avec difficulté le gouvernement vu sa présence et je vous indique que je vais écrire au président du gouvernement pour manifester mon mécontentement quant à l'absence de membres de gouvernement lors de cette séance, car je trouve que ce n'est pas
une marque de respect du gouvernement et notamment des membres concernés vis-à-vis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, sachant que j'interroge et je savais, pour savoir quelles sont les raisons qui motivent cela et que ces absences n'ont pas été excusées. En tout cas, pas auprès de la présidence du congrès, qui ne me paraît pas acceptable. Tout en remerciant le secrétaire général adjoint. Non, mais attendez, je n'ai pas fini.